Yon président pas dans rang sac bandi. Jeune, cool, monsieur même refusé plaide met costume. C'est ti jeans, ti mayo qui est pide vande. Pourtant, un paquet de pays veulent prendre monsieur comme modèle. Yo ti aske pour yo utiliser même technique avec monsieur parce que le bail résultat. Seulement sous premier mandat monsieur a plus que 70 000 bandits derrière barreau. Qui est ce citoyen ça? Je dis à nous allons faire un voyage ensemble pour nous découvrir qui est-ce qui Nayib Bukele, actuel président pays Salvador. On a ensemble. Bonjour, bonsoir Internet, comment vous êtes? Moi c'est Kesnel Lolé. C'est un plaisir pour m'informer. Nayib Bukele, pas seulement plus jeune président, mais tout, c'est un président qui est plus populaire dans toute l'histoire du pays Salvador. En parlant de jeune président, monsieur, c'est président qui est plus jeune qui passait dans toute zone Amérique là, après Alan Garcia qui était élu en 1985 à 36 ans dans tête pays Pérou. Dans le moment où on a parlé là, Nayib Bukele gain 43 l'année sous tête. Mais l'elle t'a élu en 2019, ça a été vraiment fait un pile écho par rapport à l'âge. Monsieur c'est petit Olga Ortez Bukele et papal c'est Amando Bukele Katan. Amando c'est un businessman, elle c'est un religieux, ils sont imams d'origine palestinienne. Nayib Bukele marié en 2014 à Gabriela Rodriguez. Yo gen yon petite fille qui rele Leila qui fête en 2019. Bon, c'est dans l'année 2012 Nayib Bukele commencé d'emblée dans la question politique là. Dans même année ça, monsieur élu magistrat yon ti ville dans pays Salvador qui rele Nuevo Cuscatlán. Le ça, monsieur te remporté élection yo à 49.72% voix. Et monsieur va rappeler là non? En 2015, il est élu magistrat capital pays Salvador, San Salvador. Le ça, il remporté élection yo à 48.47% voix. Mais pendant toute période ça yo, monsieur te fait partie de une plus gros parti politique qui gagne dans pays Salvador qui est le FMLN. Mais malheureusement, monsieur te fait un gros désordre. Monsieur te bail un conseiller municipal un coup de pomme dans figuil. Ça te la cause en 2017, yo mette monsieur Deyo dans parti. Mais mette monsieur Deyo a pas fait le campé non? Bien au contraire, quelle est cette vitesse bagay ça ba monsieur. En 2019, monsieur élu président pays Salvador. Et ça, c'était première fois depuis 1992 pour gagner un monde qui est élu président dans le pays, ça, sans pas sortir dans une deux partis principaux, qui c'est ARENA et FMLN. Monsieur, depuis là, commencez à faire l'histoire. 1er juin 2019, monsieur prêté serment. Depuis le ça, monsieur l'a déguidon dans des gwen bandi. Ça, la cause, monsieur déployé. Il décrété un ensemble de couvre-feu, ça qui bay l'armée pouvoir pour arrêter nèg sans pas besoin de mandat. Sortant de là, monsieur marché quartier par quartier, zone par zone, caille par caille, li mette nèg en bacote. Monsieur arrêté un pile jeune garçon. Sortant de là, plus que 70 000 jeunes garçons à la prison. Manque espace pour mettre yo, monsieur fait construire nouveau prison parce que li pap campé dans bataille la fait li mette nèg yo dans prison. Mais on ka comprendre tout à qui niveau que pays ça a, son pays te ganglé. À cause bel travail ça que monsieur fait dans mettre sécurité dans pays Salvador, ça la cause peuple a vinn gon niveau l'amour pour monsieur qui sans pareil. D'ailleurs monsieur très cool, peuple a wè monsieur semblé ensemble avec vous. Et monsieur kon communique. En plus, c'est dans le domaine marketing que il kon ça l'a fait très bien. C'est ça que la cause, monsieur prend un deuxième mandat. Mais attention,
Monsieur va être président pour deuxième mandat. À cause constitution dans pays Salvador, il interdit un président pour reprendre l'autre mandat tout de suite. Il faut retenir un nombre de temps avant ou Kevin poser candidat encore. Mais monsieur lui-même, la gueule non lutte là parce que le connaît peuple à remen, lui tient à ce que la Cour suprême revoie bagaille. Ça qui fait, monsieur j'ai une chance pour le cas reposer candidat pour un deuxième mandat. Mais pour cela, la Cour suprême t'a exigé monsieur faut qu'il transfère pouvoir bayon l'autre monde avant l'autre élection. Ça que monsieur t'a fait, monsieur t'a transféré pouvoir by Claudia Rodriguez de Guevara. Mais malgré le transféré pouvoir, monsieur pas démissionné non. Sauf que ça te permet que le cas poser candidat pour yon l'autre mandat. Sortez de là. Peuple a déjà remé, monsieur. Peuple a envahi, yon voté, monsieur. Mes amis, monsieur a remporté l'élection à 84,65% voyou. Ça a relé rasé. Ça montre à qui niveau que popularité, monsieur, est vraiment élevé dans le pays Salvador. Et ce n'est pas seulement dans le pays Salvador. Actuellement, monsieur a plus de monde qui suivent les sous TikTok. Que nombre d'habitants qui gagnent dans le pays Salvador. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas seulement les gens qui vivent dans le pays Salvador ou bien Salvadorien qui aiment monsieur, mais il y a l'autre monde qui apprécie monsieur pour style, pour façon de parler, pour bel travail que l'a fait, et surtout, monsieur toujours montré activité que l'a fait avec petit les sous TikTok. Monsieur, c'est extrêmement cool. Il y a des gens qui jugent monsieur trop cool pour un président. Mais il y a monde qui juge monsieur son nèg qui montrait une image moderne, un président qui lui-même vini pour le casser un ensemble de traditions qui te gagné comme quoi que président conseil de bagaille pas ka fait, conseil de radio pas ka mette, conseil de style pas ka gagné, monsieur lui-même tient à ce que le fait que l'app travaille, l'app fait ça pour le faire, il ka utiliser n'importe l'autre méthode pour le ka rapprocher plus vers peuple là. Ça qui vraiment réussi. Mais par contre, il y a monde qui rele monsieur dictateur. Parce que à plusieurs reprises, monsieur fait des déclarations qui ont des gens pas trop fait ensemble de monde bien. Par exemple, à un moment donné, monsieur était débarqué dans le parlement avec un paquet de policiers vinn bay pression. Depuis de ça, il dit monsieur a pris une mauvaise direction, yo pas d'accord avec qualité action ça que monsieur était faire. Mais par la suite, monsieur était demandé pardon. Li excusez-le, etc. Bon, je te comprends ça. Mais malgré un pile monde le monsieur dictateur, lui-même, il a accepté ça. Il dit, c'est un dictateur qui est cool qui existait dans le monde. La. À cause du gros travail monsieur fait dans la sécurité dans le pays Salvador, monsieur même déclaré que il retirait Salvador parmi les pays qui étaient plus dangereux dans la zone Amérique pour le faire vivre un pays qui est même plus sûr par ces pays Canada. Ça veut dire que quand il y a des gens qui ont examiné qu'on a tout dans le pays, il a tellement baissé, monsieur osé dire que le pays là même plus sûr parce que le pays Canada dans le moment n'a parlé là. Mais malgré tout le bel travail que monsieur fait, ça va empêcher un pile ONG qui a un gros problème avec monsieur. Il a accusé, il a dit qu'il maltraite les prisonniers. Et monsieur lui-même, le prisonnier a menacé pour yo. Soit faire des ordres, monsieur dit qu'il n'y a pas de problème. Il a fait des ordres, mais comme punition tout, il a fait plusieurs jours sans yon papa yon manger pour yon qui est cap ka résister. De toute façon, jusqu'à présent, technique monsieur yon marché. Et en pile l'autre pays, vle utiliser même technique sa yon tout pour yon ka mettre l'autre dans des ordres. Et l'un pense avec pays nous Haïti, nous dit qu'est, est-ce que nous pas ta mérité gon boukele en Haïti? Et monsieur tellement pensé à Haïti, à plusieurs reprises, monsieur proposait tête li pour le cas al aider mettre l'ordre dans des ordres. On connaît. Politique, ça passe des actions, monsieur. Est-ce que vous-même, vous votez pour monsieur, t'a aidé pays d'Haïti, dans mettre nèg examen hors d'état de nuire? Vous-même politique, monsieur?